Bon, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 jours pour vous dire que j'irais peut-être faire un voyage en Équateur. Vous auriez pas dû me croire, hein, c'était une belle blague. Pourquoi je serais allé là-bas? Ça a l'air nul quand même. Hola chicos, me llamo... Oh pardon, mais vous êtes français! Comme vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo, mais je sais que vous le savez, vous regardez toutes mes vidéos. Vous les regardez toutes, hein? Je suis en Équateur pour 15 jours et actuellement dans la ville de Guayaquil, la capitale économique du pays, mais pas la vraie capitale qui, elle, s'appelle Quito. Bon allez, vous venez avec moi, on va faire un tour. Les gens ici, ils sont sympas, hein. Je me suis fait un petit copain. Bon, ils parlent pas beaucoup, hein, mais... Non mais je regrette un peu d'être venu, enfin je fais beaucoup d'avions pour pas grand chose parce que pas grand chose à voir quand même, mais c'est pas top, la vue est moyenne. Non non mais rigolez, mais moi j'ai monté toutes les marches là, hein. Moi j'ai monté, hein. Pour faire des plans en haut et tout, hein. C'est pas vous qui, hein. Voilà. Peut-être que demain je vais goûter un plat typique d'ici, je connaissais pas. Il me tarde de goûter ça, on m'a dit que je goûterais ça demain. Je vous ferai une petite dégustation et je vous dirai si c'est bon. Alors vous voyez, ici c'est le plus vieux vélo de toute la ville. Et le monsieur n'a pas apprécié que je le filme. Parce que c'est vraiment une pièce super rare et... C'est un peu un vélo de collection. Et les gens font le tour du monde pour faire du vélo d'appartement ici. Alors qu'on est totalement pas dans un appartement. Là, je suis devant la maison d'un mec qui fait des soirées. Il est pas bête, il a mis un petit écriteau avec marqué capacité maximum 185 personnes, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas trop de monde. Non mais il a raison. Le problème de cette ville, c'est qu'on m'a fortement déconseillé de filmer dans certains endroits, parce qu'il y a certaines zones plus pauvres que d'autres, où c'est pas très bien de sortir avec une caméra au bout du doigt. Du coup, ce qui est génial pour moi, c'est que je filme au milieu des zones super touristiques, où il y a beaucoup de monde, et tout le monde me prend pour un super idiot. Je suis vraiment super content, et j'adore dire super. Du coup, même dans les zones touristiques, je reste sur mes gardes. On sait jamais, comme ça, je suis sûr de ne rien risqué. Attention, une moto, attention. Alors là, je suis dans un parc en plein cœur du centre-ville et ça s'appelle le parc des iguanes. Il est censé y avoir beaucoup d'iguanes, 200 iguanes on m'a dit. Et sauf que là il est 18h15 et la nuit tombe ici parce que la nuit tombe à 18h15 toute l'année. Et du coup les iguanes ils rentrent en haut des arbres pour dormir. On peut les voir ici. Regardez les petits iguanes. Ah non, ça c'est des pigeons. Regardez, là il y en a un. T'es bourré? T'es dans le mal? Et du coup, il y en a plein dans les arbres. Alors, il y en a un là, il y en a plein là-haut. Je sais pas si vous voyez. Donc les iguanes, ils ont le sang froid. Toute la journée, ils se mettent au soleil. Et quand il n'y en a plus, eh ben, messieurs, ils sont dans un état déplorable. Du coup, je vais revenir demain pour voir les iguanes en plein état d'activité. C'est vraiment trop bizarre parce que les iguanes, ils ont pas de corde vocale. Alors, ils font aucun bruit. Ils crient pas, ils s'en foutent. Et du coup, tu peux les toucher, tu peux faire ce que tu veux avec eux. Et je sais que vous êtes déçus. Mais on revient demain pour voir les 200 iguanes en activité. Bon, il fait super chaud. La mission maintenant, ça va être d'aller dans un centre commercial et acheter de l'eau. Ok, vous êtes prêts? À la recherche de l'eau. J'ai peur. Ici, ils ont une boisson bizarre que je connais pas. Ça s'appelle... Je connais pas. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Mission accomplie, je vais pouvoir boire. Pour d'autres aventures extrêmes comme ça, regardez mes autres vlogs, hein, ça va être vraiment incroyable. Peut-être que demain on va acheter un t-shirt. On se retrouve très vite pour la suite des aventures, j'attends vos retours dans les commentaires. Oh, et j'ai failli oublier, je vous ai filmé un petit moment incroyable à l'aéroport, je sais que ça va vous plaire. Allez, ciao !